Et salut à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue donc pour cette quatrième manche du championnat du monde ici à Bahreïn, sur un tracé très exigeant, hein, notamment Temple du Moteur également. On pourrait le citer au même titre que Monza et Silverstone, avec de très très longues lignes droites et des très très gros freinages. On compte 4 lignes droites où on va dépasser les 300 km/h, avec des zones de freinage très intenses et des virages en appui qui vont user énormément les gommes. Un circuit moteur, bien sûr, qui pourrait faire la part belle, bien entendu, au moteur Mercedes, hein, sur cette nouvelle ère du turbo, avec, bien entendu, la Mercedes elle-même, Force India et notamment Williams. Peut-être même Lotus qui aurait tiré son épingle du jeu sur ce Grand Prix, alors que vous voyez que les essais libres ont été dominés par les deux Mercedes, qui sont restés en pneus durs. En plus de ça, nous avons fini donc 6e. Donc pour cette course, je partirai donc de la seconde place sur la grille. La pole position a été décrochée par Eric Honen, qui a fait un énorme chrono avec un très beau 1:34,800 et quelques. Et donc, un circuit très exigeant, hein, très très compliqué, où, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à m'y faire. J'ai fait beaucoup de tours d'essais libres, et ce qui m'a permis donc de décrocher cette seconde place. Le mode légende a été basculé en mode expert, parce que tout simplement, ce n'était pas du tout intéressant pour vous, mais aussi pour moi. Ce qui est intéressant, c'est bien entendu qu'il y ait une bataille. Et cette bataille donc, qui a eu lieu pendant les essais libres, s'est encore une fois effondrée. Donc c'est vrai que ce qu'il faudrait, ça serait vraiment entre le mode légende et le mode expert, vraiment arriver à trouver un compromis, peut-être avec un mode. J'en sais rien, je vais me pencher dessus là avant de faire la Catalogne, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, parce que là notamment donc les Mercedes, qui étaient très performantes pendant les essais, vous l'avez vu, hein, ont complètement décroché sur cette qualif. Et donc avec vous voyez ce tracé très exigeant, hein, qui j'aimais bien le circuit long qu'on a retrouvé donc sur F1 2010, hein, le tout premier épisode de chez Codemasters, avec vraiment une portion rallongée de quasiment presque 1 km et après raccourci lors des épreuves suivantes. Mais ce circuit long était très exigeant et c'était l'un des plus longs de la saison avec Spa, car il dépassait les 6 km. Et c'était bien, bien sympa. Pour ce tracé, donc, les temps qui avoisinent à peu près les 1:35, et donc c'est Raikko qui a réussi à passer sous la barre des 1:35 avec un super chrono. Donc, et moi qui perds énormément de temps donc dans ce dernier secteur, notamment sur ce dernier virage là où j'ai énormément de mal à chaque fois. Je ne sais jamais trop comment le prendre. Alors c'est vrai que bien, c'est pas évident, parce qu'il vous permet de vous lancer le plus proprement possible sur la plus longue ligne droite du tracé, qui est donc la ligne droite de la pit lane, avec donc la pit lane à droite. Donc une course donc à 3 arrêts, parce que c'est du coup une piste très abrasive, la légère de pneus est très forte, et je vais partir sur à peu près sur les mêmes options stratégiques que la dernière fois en Chine, hein, notamment avec donc 3 arrêts, vous le verrez. Donc vous le voyez, la grille, pas de surprise. Pérez, Maldonado, Rosberg 8e, c'est ça la surprise. Grosjean 7e, Ricardo 6e, Hamilton, les deux Williams de Massa et Bottas et les deux Ferrari en première ligne. Raikko qui sera devant moi. Donc vous voyez les 3 arrêts, donc, hein, il y aura 2 arrêts où on chaussera bien entendu les pneus tendres et on finira avec les pneus durs. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, sachant que passer les pneus durs en milieu de relais, ça risque d'être compliqué. Je pense que c'est la meilleure des options, finir avec les pneus durs qui ont très bien fonctionné pendant les essais. Et le départ donc tout de suite avec donc Raikkonen en pole. Je m'élance du côté droit de la piste et encore une fois, comme en Chine, j'arrive à prendre vraiment une très très bonne impulsion et je m'élance parfaitement. Là aussi, hein, avant le freinage, il y a énormément de temps et de mètres à parcourir, alors que là, eh bien, le petit problème avec le retour de force qui se met pas en place, du coup c'est très mou dans la direction. Et les deux Williams qui arrivent à me dépasser des deux côtés, j'arrive à reprendre le meilleur sur elle et donc à récupérer ma deuxième place. Mais c'est Raikkonen, hein, qui a eu très chaud au départ. J'aurais pu le percuter, hein, j'avais vraiment rien dans la direction. Et c'est un peu le souci sur les départs avec le G27. Et notamment quand ils vous font un tour lancé, par exemple, quand vous voulez sortir des stands en tour lancé, eh bien la direction n'est pas fonctionnelle immédiatement. Et c'est vrai que dans les premières lignes droites, il n'y a absolument rien. Et du coup, c'est très déstabilisant. Et même malgré ça, hein, le retour de force du G27, qui n'a absolument rien à voir avec
le F1 2014 et le F1 2013, donc toujours pas de problème réglé à ce sujet-là. À vrai dire, j'ai pas beaucoup cherché aussi s'il y avait un modeur qui avait fait quelque chose de son côté. J'ai en parlé à Angel d'ailleurs, pour voir si on a. Mais c'est vrai que ça fait. Je reviens, donc c'est vrai que j'ai perdu 3 semaines et je sais pas trop où ça en est sur le race department. Et je jetterai un coup d'œil à ce sujet pour essayer d'être un peu plus performant avec ce G27. C'est une habitude à prendre, bien entendu, alors que là je me loupe totalement. Et une fois de plus, j'ai encore beaucoup de mal à m'habituer à cette voiture lourde. Avec le plein d'essence, et c'est Raikkonen hein, qui en profite, très performant le pilote finlandais, mon coéquipier qui a été vraiment au top, notamment lors des 3 séances de qualif, la Q1, la Q2, la Q3, et notamment aussi excellent pendant les essais, qui a été devant moi tout le long. Et là donc du coup en course également très bon. Et du coup j'ai Bottas derrière moi qui ne me lâche pas d'une semelle. Et donc voilà pour ce tour 2. Et c'est déjà comme en Chine, hein, très compliqué. On perd pas de place sur le coup-ci, mais ça devient de plus en plus dur. Alors que là, 2-7 pour Raikkonen devant moi et Bottas qui est à 2-6 derrière moi. Donc j'ai réussi à prendre un peu l'avantage sur les Williams, qui notamment font la part belle à la puissance moteur dans les lignes droites. Mais c'est plus trop ça après dans tout ce qui est enchaînement de virages. Et il y a beaucoup de virages en appui à hein, Bahreïn, notamment dans la fin du secteur 1, début du secteur 2, avec un enchaînement à passer en 5e. Et ensuite, ce virage en appui au bout de la deuxième zone de DRS qui enchaîne avec un très grand gauche suivi d'un très grand droit avec un freinage en appui en 3e pour déboucher sur l'avant-dernière ligne droite et finir sur ce dernier virage en appui aussi hein, avant de débouler sur la dernière ligne droite des stands. Donc c'est un circuit qui abîme énormément les gommes, alors que là aussi je me loupe un peu encore au freinage et c'est Rosberg qui a pris l'avantage sans Massa. Rosberg qui est encore une fois parti très loin et qui, force est de constater qu'il a très bien remonté. On sait les Mercedes qui sont très performantes et Rosberg en a donc profité, le revoilà déjà 3e et je ne me fais aucun souci pour lui. Il va revenir sur moi avec une voiture bien plus véloce et bien plus performante avec ce moteur Mercedes Turbo qui est vraiment l'un des meilleurs moteurs sans doute de l'histoire de la F1, le mieux développé en tout cas hein, car il a fonctionné dès le départ de la saison 2014 et avec une fiabilité absolument redoutable. C'est après bien entendu tout ce qui entoure le moteur qui est très fragile, enfin très fragile, hein, on se comprend, tout est relatif. Mais sur ces nouvelles réglementations, notamment le MGUK qui est le système qui fait fonctionner la voiture, peut-être encore pire que le moteur, c'est vraiment lui qui donne toute la transmission, notamment la partie électronique et hybride. Et du coup c'est vrai que c'est Raikko qui avait eu un problème en Hongrie, et qui est donc un problème assez important quand il tombe en panne. On est obligé de réinitialiser la voiture, mais ça marche pas tout le temps. Et c'est vrai que Mercedes a eu quelques soucis l'an dernier, bénin, hein, par rapport au reste. C'était des problèmes de frein notamment, alors que là je me loupe totalement et j'ai failli totalement partir en tête à queue. Les pneus qui se sont bloqués et la voiture qui est partie en travers. Et c'est Rosberg encore une fois qui arrive à prendre l'avantage sur moi. Comme si j'arrivais pas à résister à la pression, un peu comme en Chine face à Hamilton. Je bloque encore une fois ici. Et un début de course encore une fois donc très compliqué puisque me voilà 3e, je perds une place. J'en ai pas perdu deux comme en Chine mais j'en perds une. Et voilà Rosberg qui va sûrement s'envoler. Et il va falloir que je rentre au stand dès ce tour parce que là ça devient très critique niveau pneus. Ils ont fait les 7 tours, de toute façon on est dans la fenêtre, hein. Clairement l'ingénieur nous l'a dit. Et donc on va en profiter pour rentrer au stand avant tout le monde, avant Raikkonen et avant Rosberg qui sont mes adversaires directs. Massa est un peu plus loin derrière alors que là c'est relativement brutal hein, comme arrêt. Et du coup oui, je disais Mercedes qui avait eu des problèmes de frein hein, l'an dernier et quelques petits problèmes aussi notamment de câble dans la direction de Rosberg de ci de là, mais vraiment une voiture vraiment au point, il n'y a rien à dire là dessus et la fiabilité qui a encore augmenté, accru cette année. Mis à part le moteur à Rosberg qui a cassé à Monza, sinon on le savait, en plus il est parti avec un moteur assez usé. Mais il n'y avait rien à dire là-dessus, les Mercedes qui sont encore une fois au top. Et je vois mal maintenant pour 2016, eh bien Ferrari rattraper le retard sur Mercedes. Sincèrement je le pensais, et sincèrement maintenant en voyant ce qui se passe dans cette fin de saison, il y a eu des problèmes à Singapour mais qui n'ont rien à voir avec la performance. Hein. C'est tout simplement un Grand Prix où les Mercedes n'ont pas réussi à faire fonctionner les gommes, ça arrive, c'est un Grand Prix en ville où il fait très chaud. Et donc du coup, ça a fait la part belle à Ferrari et à Vettel qui est bien entendu le boss hein, sur Singapour, il n'y a rien à dire,
C'est un peu ce que faisait Ayrton Senna à Monaco entre les rails. Et bien, Vettel le fait à Singapour, 4 victoires. Même l'an dernier, avec une voiture qui ne lui convenait pas du tout, il a réussi quand même à décrocher une super deuxième place. Et puis, il est tout le temps là depuis la création du circuit nocturne. Donc, je suis bien revenu sur Raikkonen avec un arrêt un peu prématuré, mais qui m'a permis de revenir sur le pilote finlandais, mon coéquipier. Et donc, voilà pour la vague des arrêts au stand. Et donc, Raikko, qui s'est arrêté un tour plus tard, a encore perdu un peu de temps parce qu'il était relativement loin devant moi. Et du coup, j'ai réussi à reprendre un peu de guêpe sur lui, alors que c'est Rosberg qui a retardé énormément son arrêt, trois tours quasiment, et a perdu énormément de temps puisque je ressors devant lui. Très bonne opération, donc l'undercut a fonctionné. C'est un gros undercut car Rosberg s'est arrêté vraiment très très tard. Il a voulu garder la première place un maximum de temps, et il était pour l'instant pas en pneu dur, puisqu'il est parti à la 8ème place. Et donc il a réussi à faire perdurer ses pneus tendres. Je pense qu'il a perdu beaucoup en performance dans les derniers tours, et s'est arrêté un petit peu tard. Donc voilà, je reviens à moins de 2 secondes de mon coéquipier Raikkonen, qui tient encore énormément le rythme. Et on le sait, Raikko adore les gommes, c'est ce genre de gomme, les gommes tendres, ça la flanque jaune. Et a plus de mal à faire fonctionner les gommes dures à flanc blanc. C'est comme ça, le Finlandais qui a un style de conduite assez particulier. Et qui donc, cette voiture, c'est vrai que cette année, elle lui convient un peu plus que celle de l'an dernier où il avait énormément de mal. Un peu à l'image de Sébastien Vettel aussi, qui avait l'habitude d'avoir un gros train arrière. La suppression de l'effet des échappements à effet Kwanda de la voiture de 2013. Vettel a eu beaucoup de mal avec cette Red Bull de l'an dernier 2014 qui convenait parfaitement au style de conduite de Daniele Ricciardo. Et c'est vrai que cette année, cette Ferrari convient parfaitement à Vettel, bien entendu, plus qu'à Raikkonen qui se débrouille très bien et qui a accepté une place de numéro 2. Alors que voilà, je vais effectuer mon deuxième arrêt et chausser la deuxième paire de gommes tendres. Donc, avant tout le monde, encore une fois, avant Rosberg et avant Raikkonen, on va essayer encore une fois de prendre le meilleur sur eux et de réaliser peut-être l'undercut sur Raikko. Ça va être chaud, mais tout est envisageable. Les gommes qui se dégradent très vite et la fenêtre qui est très très petite sur Bahreïn, l'ingénieur nous l'annonce. On n'a qu'une fenêtre de 2 tours pour changer les gommes et même une fenêtre de 1 tour pour changer les gommes dures à la fin de ce relais. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un effondrement très rapide. Alors que Raikko, je le disais, a accepté donc cette seconde place, car c'est vraiment c'est Vettel le commandant de cette équipe maintenant. Au vu de ses résultats, c'est vrai que Vettel, qu'on a beaucoup critiqué l'an dernier et même avant chez Red Bull, où on disait qu'il avait une voiture absolument fantastique et que le pilote n'y était pour rien, et qu'il avait aussi également un coéquipier un peu qui était en fin de carrière, donc un peu lassé de la F1 et qui se faisait un peu pousser dehors par le docteur Edwin Barco. Vettel a prouvé encore une fois aux yeux de la F1 qu'il était un excellent pilote. Il y a les Hamiltoniens, il y a les Vettéliens, il y a les Alonziens, c'est comme ça qu'on les appelle, nous. Nous particulièrement avec Angel, c'est Vettel. De 1 pour la discrétion, on aime bien les gens discrets, contrairement à Hamilton qui est une vraie rockstar. Et je n'enlève rien à Hamilton, car il fait du bien à la Formule 1, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que son image traverse le monde au-delà du sport et au-delà des connaisseurs. En sortant notamment avec Rihanna ou peut-être avec Nicole Scherzinger, c'est vrai que ça aide beaucoup. Notamment ma sœur qui n'a rien à cirer de la F1, mais qui se rapproche d'Hamilton pour le fait qu'il soit dans Closer sûrement. Et donc du coup là je prends le meilleur sur Raikkonen. Qui a eu du mal à sortir des stands, encore une fois, on l'a vu au cours de ce début de saison, les pilotes qui ont du mal, l'IA qui a du mal à sortir des stands, à faire monter ses pneus en température. Et du coup j'en profite pour récupérer P4, mais qui sera sûrement P1 à la fin de ce tour, car il va y avoir les arrêts au stand. Rosberg ne s'est encore pas arrêté, Ricciardo non plus, alors que là Raikko essaye de me repasser avec le DRS, et c'est vrai que j'ai du mal dans ce secteur 3 clairement, et du coup j'ai du mal à me réenvoler. Et Raikko qui est beaucoup plus performant que moi, donc je pense qu'à la prochaine ligne droite, je vais le laisser repasser. C'est logique, au vu de la course et de ce début de course. Je l'ai passé pour pas trop perdre de temps, mais il va me redépasser car il y a absolument... peut-être ici, voilà, je vais le laisser passer, j'y laisse la porte ouverte. Raikko qui est bien meilleur que moi sur ce Grand Prix, bien plus fort donc.
Et donc, il n'y a aucune raison de le bloquer éternellement. De toute façon, avec la zone de DRS, il m'aurait sûrement dépassé. Alors que là, je suis dans son aspiration. Il a réussi à avoir le DRS car il a passé la zone avant moi. Et ici, je suis à l'intérieur et je vais encore une fois lui laisser la porte ouverte. Aucune raison de faire les imbéciles. Ça sent le doublé pour la Scuderia Ferrari. Encore une fois, on s'en approche. Il reste plus que 13 tours. Et on est bien parti car Rosberg est encore une fois lâché. Alors, je ne sais pas ce qui s'est encore passé avec le pilote allemand sur la Mercedes. Mais vous le voyez, il a complètement encore une fois décroché. Il est pourtant derrière nous, hein, mais vous voyez comme il est loin sur la minimap. Encore une fois, sûrement une chute de performance de pneus. Alors que moi, je vais me ranger alors qu'on rattrape déjà des retardataires. Et c'est ce qui est très inquiétant dans ce 2015, ce sont les retardataires qui sont très insistants. Et c'est à vous de vous méfier. Donc Raikkonen qui arrive à dépasser Massa, qui est en fin de vie aussi avec ses gommes. Et je manque de percuter Massa ici, qui est vraiment à l'agonie et qui va d'ailleurs rentrer au stand. Donc voilà, je disais Hamilton, hein, qui est vraiment une rockstar grâce à son image à travers les magazines. J'aime bien ce qu'il fait, il est un peu à l'image de... Il dit que non, mais c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est un peu à l'image d'Ayrton Senna. Arrivé en moto dans les stands, on connaissait Senna qui était bien entendu moins bling bling et un peu plus discret qu'Hamilton. Enfin, Hamilton est très discret. Mais dans ce qu'il fait, c'est vrai que c'est très extravagant. Donc je trouve que voilà, Senna était moins extravagant. C'est vrai, voilà. On va dire ça comme ça, car Hamilton, c'est vrai qu'il est quelqu'un d'un peu introverti dans le paddock. Il n'a pas beaucoup d'amis, on ne le voit pas trop discuter avec le reste des pilotes. C'est pour ça que nous, on préfère Vettel, qui est bien, bien plus discret. Un pilote, enfin comme on les aime, avec beaucoup de talent, qui est arrivé en F1, qui a déjà frappé très fort. Hamilton et Vettel partent de rien quasiment, hein. C'est pas des pilotes à proprement parler comme Maldonado par exemple qui sont arrivés avec les liasses de billets. Hamilton est parti de rien, s'est fait repérer très tôt par Ron Dennis et McLaren, et Vettel s'est fait repérer très tôt également par Red Bull. Donc vraiment un passage similaire en F1 et malgré qu'Hamilton ait démarré très fort avec une voiture très performante en 2007, même s'il se fait subtiliser le titre, hein, dans la dernière partie de Grand Prix, notamment le Grand Prix du Brésil, assez étrange. Alors que là c'est Raikkonen qui est rentré et je vais faire l'inverse, c'est moi qui vais essayer de jouer l'undercut sur ce coup-ci, car c'est mon chef de file, hein, sur cette course et je vais pas le gêner, j'ai pas envie de me gêner non plus. Donc on va essayer de s'arrêter un tour plus tard et faire un tour le plus propre possible avec ses gommes usées et rentrer chausser les gommes dures à la fin de ce tour. Donc il faudra pas se couper là-dessus pour essayer de... On sait en plus que Raikko a du mal avec ses gommes de 1 et a du mal à ressortir des stands. Donc un tour très propre pour moi et on va voir où ça va se passer à la fin de ce tour. Donc je disais deux parcours absolument similaires, sauf qu'Hamilton a réalisé une saison 2007 absolument parfaite avec une McLaren qui fonctionnait parfaitement avec les V8, et du coup c'est Raikkonen qui avait pris le meilleur sur eux, alors que c'était vraiment à l'époque de 2007 la guéguerre avec Hamilton et Alonso. C'est pour ça qu'avec Angel on a beaucoup de mal avec Fernando Alonso, c'est vraiment pas notre tasse de thé. Certains disent qu'il est très fort, donc pas une seule seconde, c'est vraiment un combattant. Mais on a vraiment du mal, son ego me déplaît énormément. Et voyez, hein, ce qu'il a dit encore sur Honda. Honda est en développement, c'est très compliqué à développer ce moteur, les coups sont très durs. Il y a beaucoup d'électronique, la F1 n'a jamais connu un tel changement quasiment. Et du coup, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas à dire ça, c'est une saison compliquée, il le savait. Je le sens un peu frustré, le pilote espagnol, avec sa nouvelle écurie, alors qu'il voit que Ferrari est en pleine explosion, hein, par rapport à l'an dernier. Et Ferrari est en train de se remettre sur les rails comme il faut, avec une très bonne équipe qui s'entend beaucoup mieux que l'an dernier. Et donc je vais rentrer au stand maintenant, chausser les pneus durs, donc ceux à bande blanche. Alors qu'on va surveiller la ligne droite d'à côté et le petit point jaune qui risque de passer. Rosberg, on le sait, mais complètement hors course, donc il n'y a plus de raison de se faire de soucis avec Rosberg. Hülkenberg est devant moi, j'espère qu'il ne va pas me gêner. Le point jaune n'est toujours pas passé. Je ne sais pas où est Raikkonen, il doit être dans la ligne droite, hein, sûrement, hein, forcément, il n'y a aucun doute là-dessus. Le voilà d'ailleurs, ça va être très chaud à la sortie des stands. J'ai l'intérieur grâce à la sortie et je vais freiner, bloquer un peu la roue et prendre l'intérieur sur Raikko. Ça a parfaitement fonctionné, donc c'est vraiment une chute des pneus que j'ai réussi à éviter dans ce dernier tour. C'est ce que je craignais, hein, justement, c'est de faire le tour de trop parce que la fenêtre était vraiment très 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 serrée dans ce dernier relais. Alors que là, je loupe un peu mon freinage encore, je pars au large et c'est Raikko qui arrive encore une fois à me dépasser. Ça fait beaucoup d'erreurs en deux Grands Prix, c'est vraiment un peu trop. Et là, alors qu'il est encore une fois gêné par Hülkenberg,
Eh bien, je vais prendre l'intérieur sur les deux pilotes et sur mon coéquipier notamment, et pour le repasser en espérant ce coup-ci que je tienne le rythme. Il reste encore beaucoup de tours et Raikkonen est bien plus performant. On va voir comment ça va se passer et comment les choses vont se goupiller dans cette fin de Grand Prix qui s'annonce terrible entre mon coéquipier et moi-même. Pas de consigne d'équipe, bien entendu. L'essentiel est de faire une belle course, alors que là, Steven se loupe totalement et ça a failli être une fois de plus la catastrophe avec les retardataires. Je vous ai pas tout mis, mais c'est vrai que notamment ça a été très chaud avec Maldonado tout à l'heure, que j'ai failli percuter, qui a changé totalement de ligne, et donc pour se décaler, pour me laisser passer, alors qu'on était tous les deux sur la même trajectoire, et on a manqué de se percuter, et là ça a été pareil avec Stevens. Donc méfiez-vous sur ce F1 2015 des retardataires, ils ne sont plus comme avant, ils ne se jettent plus sur le côté pour vous laisser passer. Donc une Scuderia Ferrari qui a tout changé, hein, clairement même de président. L'emblématique Di Montezemolo a quitté donc le commandement d'une écurie qu'il a vraiment repris en main avec un certain Jean Todt et un Michael Schumacher. C'était vraiment la grande Dream Team, celle qui nous a fait rêver, pour ceux qui étaient un peu de ma génération, et avec ses grandes années Ferrari. C'est pour ça qu'on aimerait bien les revoir. Et j'ai quitté Ferrari, c'est vrai, parce que je ne supportais pas. Alors qu'ici, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je percute Pérez, classique. Le pilote mexicain qui change totalement ligne, j'ai les ailerons cassés et c'est la catastrophe, voilà. Donc il y aura pas de victoire. Clairement, Raikkonen qui revient derrière, je peux plus tourner, il reste un tour et je vais devoir passer au stand, changer l'aileron avant. C'est très regrettable. J'arrivais, on était dans la même ligne, hein, ils tiennent le rythme. Hein. Et c'est vrai que voilà, j'ai complètement percuté Pérez qui a voulu changer de ligne au dernier moment et qui a freiné pour me laisser passer. C'est voilà, j'ai cassé l'aileron, lui il est complètement parti en travers. Et voilà la cata, et bien dernier arrêt au stand et tous les pilotes, je vais les voir passer sur le côté. Rosberg, Massa va passer également, je ne me fais pas de soucis. Et je vais ressortir, et bien je pense, très très loin, peut-être à la 6ème place, je l'espère. Bottas va sûrement passer aussi. Et voilà, et je vais me retrouver donc, et bien 6ème, donc c'est la cata, voilà. Fin de Grand Prix terrible, fait de course donc, percuté en retardataire. Ça arrive, Dieu merci, pas de pénalité, ça aurait pu arriver dans les précédents opus et je vais finir ce tour au ralenti. Grosjean est loin derrière moi. Voilà pour cette fin de Grand Prix, encore une fois assez terrible, hein, un peu comme en Malaisie, hein. Là c'est vraiment très dommageable. Le doublé était largement à notre portée une fois de plus. Raikkonen était très loin et reculé d'une seconde par tour. Il n'a pas réussi à faire fonctionner ses gommes dures, comme à son habitude. Et donc voilà, c'est une 6ème place très frustrante pour nous. Raikkonen qui prend la première place, suivi de Rosberg, suivi de Massa, suivi de Ricciardo, un moteur Renault dans le top 4. Bottas, moi-même, Romain Grosjean, les deux McLaren. Ça alors, c'est énorme, 8ème et 9ème. Et Daniil Kvyat qui donc ferme donc ce top 10, donc il y aura pas mal de voitures avec un moteur autre que les Mercedes, notamment les deux Renault, deux Red Bull Renault et deux moteurs Honda et deux moteurs Ferrari. Donc finalement très peu de moteurs Mercedes, vous le voyez, qui sont tous après le top 10, notamment les deux Sahara Force India. Hamilton a abandonné et ça c'est incroyable. Max Verstappen s'est fait disqualifier et Pérez a réussi à finir la course. Verstappen qui a dû faire encore un peu le foufou, mais j'aime bien ce pilote, il donne un peu de fraîcheur, c'est ça qui est bon. Vettel donc rattrapé par Raikkonen, hein, plus que 5 points d'écart. Rosberg à 45, Bottas à 45, Rosberg à 44 et Hamilton à 38, voilà pour ce top 5. Donc on se retrouve en Catalogne, hein, la semaine prochaine à Montmelo. Moi je vous dis très bonne semaine à tous, allez à plus.